Bonjour, je m'appelle Jonathan Notin, je suis manager de rayon Super U de Saint-Florent-sur-Cher et je vais vous présenter mon rayon. Ça fait 9 ans que je travaille dans ce magasin, toujours au poste de manager de rayon fruits et légumes, et ça fait 15 ans que je fais du fruits et légumes. Donc c'est devenu avec le temps un peu ma passion et j'espère que j'arrive en tout cas à le retranscrire dans mes rayons pour le plaisir de mes clients. J'arrive à 5 heures, on va chercher la livraison qui est déjà arrivée pendant la nuit, on la ramène dans notre frigo. On va commencer par trier, caler, mettre tout le matériel qu'il nous faut pour ensuite remplir le rayon. Une fois que c'est fait, moi je vais m'occuper des prix. Mon collègue va s'occuper des derniers petits détails. On commande à 0,99. Ce que je préfère dans la journée, c'est avant l'ouverture du magasin, c'est monter les rayons. Parce que c'est là où je peux vraiment faire exploser ma créativité, prendre du plaisir. Au niveau de l'assortiment, j'ai les basiques dans mon rayon, les avocats, les clémentines, ce genre de choses, mais j'aime bien aller un petit peu plus loin en proposant parmi, par exemple, les oranges, des oranges que les gens ne connaissent pas forcément. Donc on a l'orange à dessert, l'orange à jus, mais moi je vais aller chercher de l'orange chocolat, de l'orange caracara, de l'orange taroko, qui sont des oranges qui sont encore plus gustatives. Pour mettre en avant mes produits, je mise beaucoup sur la théâtralisation. Pour moi, le produit, ça suffit à lui-même et c'est lui qui doit être le héros du rayon. Nos rapports avec la clientèle sont plutôt bons. Ils viennent nous voir pour avoir des conseils parce qu'on fait des produits qu'ils connaissent des fois pas forcément. Leur montrer comment le cuisiner, leur expliquer comment le conserver. Et après, vous pouvez manger toute la chair que vous allez avoir de chaque côté. Vous la faites cuire comme une pomme de terre. C'est assez plaisant aussi parce que nous, on a ce côté mise en rayon, exactement. C'est bien, mais de pouvoir aussi apporter nos connaissances aux clients, je trouve que c'est important. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. En fait, c'est un rayon qui est ultra créatif. On peut faire vraiment plein de choses, on n'a quasiment aucune limite. Ça m'a toujours plu dans le rayon d'avoir aussi des produits vivants avec les saisons qui tournent. Donc on n'a pas la même chose tout le temps. C'est un métier qui est assez exigeant sur le produit. Il faut quand même qu'on ait l'œil, produit qualitatif. On ne peut pas se permettre de décevoir un client. J'ai participé au concours des talents fruits et légumes 2022 d'Interfel. J'avais besoin d'avoir l'avis professionnel sur mes méthodes qui sont des fois un peu particulières de travail. Est-ce que j'étais dans le droit chemin? Donc c'était vraiment un moyen pour moi de me mesurer. Pour mon équipe, ça leur a apporté beaucoup de fierté et beaucoup d'assurance dans leur travail parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient vraiment un boulot qui était très bien. Donc ils se sentent vraiment valorisés. J'adore mon métier parce que les fruits et légumes, c'est jamais trop créatif.